Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se taper d'énormes barres. Mesdames et messieurs, vous ne vous rendez pas compte à quel point on va se marrer là, parce que là, au niveau du barrage, on est au niveau. Hop là, là il y a ma bite, et nous on est au-dessus de ma bite, on est là, au top, du top, du top, du triple top, ma mène. C'est la folie les gars aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, attendez, parce que là, je m'en sors pas avec mes mains, mais aujourd'hui, sachez les gars, que là, ça va pas rigoler longtemps. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? Aujourd'hui, on travaille de 14h à 22h. Mesdames et messieurs, c'est absolument fou ce qu'il se produit aujourd'hui, les gars. Donc, bien évidemment, ce qu'on va faire actuellement, c'est se faire un petit café, hein. Ah bah, on met un peu d'eau, donc, dans une tasse, hein. Voilà. Puis là, on avance tranquillement vers le micro-ondes, mesdames et messieurs. Oui, on y va. Le micro-ondes, il est là. Oui, regardez. Hop là, c'était le micro-ondes. Oh, il est mignon, hein. Hein, il est mignon. Allez, vous aussi, vous y allez, hein. Allez, au revoir. Ça va, on peut rigoler quand même, hein. Donc on part sur un petit café et ensuite on y va, les gars. Donc là, moi, ce que je vais faire de manière immédiate, c'est que je vais m'habiller. Parce que vous êtes là, vous êtes déjà chez vous, vous êtes posé, vous êtes à l'aise. Mais moi, je suis pas habillé, il faut que je parte bientôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller et je vous reprends juste après, mesdames et messieurs. D'énormes bisous, à tout de suite, hein. Bon, on est quasiment habillé. Là, on se fait un petit café, hein, tranquille, au plus grand calme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille non seulement à 14h, mais en plus de ça, on a un rendez-vous à. Ben, on doit aller, on n'a pas de rendez-vous en fait, on doit juste aller cet après-midi. Rencontrer une boîte d'assurance. Une boîte d'assurance, donc qui s'occupe de tout ce qui est. Tout ce qui est assurance, responsabilité professionnelle au niveau de. Attends, c'est quoi? Comment ça s'appelle déjà? Assurance, responsabilité civile professionnelle. RC Pro, je sais pas quoi. Donc une boîte qui s'occupe de ça pour les coursiers à vélo et tout. Donc en gros, ils m'expliquent un peu plus leur délire et que. Bah, que je parle d'eux dans une vidéo après. C'est le deal, hein? C'est le deal. Donc tout ça, bien sûr, en échange d'une mallette $1 million pour pouvoir m'acheter donc une Ferrari. J'ai envie de dire, les gars, il fallait faire des vidéos vous aussi, hein. Parce que là, vous êtes là. Bah oui, les gars, bah oui, regardez! L'argent, il est là, il attend, les gars, il attend plus que vous. Faites un effort aussi, ramassez-le. J'ai trop chargé ce café, hein. Bon. Et voilà la tenue parfaite, les gars. Regardez-moi ça. Je suis un sac poubelle. Oui. Regardez-moi ça, regardez-moi ce corps de rêve. Comment il est mis en valeur. Yeah. Oh yeah, man. Énorme, on se tape d'énormes barres. Allez, donc en route, direction le 17e arrondissement. C'est parti. Oh les gars, comment il fait froid les mecs. Vous avez même pas idée les gars. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est sûrement un blindage pour ton cœur d'artichaut. Bon allez, on va se dépêcher là, pour pas perdre de temps. Là il est déjà presque 13h. 13h même, il est 13h, donc on va tracer là, ok? Mesdames et mesdames, nous sommes arrivés, je suis pas sûr que je puisse filmer l'intérieur, donc, parce que voilà, les gens, voilà, ils sont pas non plus super ouverts à être filmés en général, surtout quand ça parle de fric, quand ça parle de millions de dollars, comme actuellement, donc si tu veux la filmer, bah tant pis les gars, on se dit à tout à l'heure, hein, y a pas de soucis les gars, pas d'embrouille, pas d'arnaque, à tout à l'heure, ok? Mesdames et messieurs, bienvenue! Bienvenue dans la suite de cette vidéo, donc je viens de sortir donc de la... Je ne sais pas comment finir cette phrase. Et donc ouais, c'était très intéressant, mesdames et messieurs. Très intéressant. Il s'agira donc d'un sujet que j'aborderai dans ma prochaine vidéo, un peu prochaine vidéo à la maison, un peu montée, tout ça. Je vais parler donc, mesdames et messieurs, d'assurance d'activité. Et voilà, ça va être bien, ça va être cool, on va s'enjailler les gars, on va se taper d'énormes barres, hein, d'énormes barres. Bon, il est déjà 14h17, je vais rentrer à la maison. Donc bien évidemment, hein, comme convenu, je sors de ce rendez-vous avec une mallette pleine de billets, des billets violets. Toi-même, tu connais les bails, argent sale ma gueule. On s'enjaille, putain. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question du jour qui nous a été posée par Michel Duterter. Alors, Michel Duterter, qui donc se pose la question suivante, mesdames et messieurs. Harry, ici présent, doit-il finir ses jours dans un hôpital psychiatrique? Question qu'on est en droit de se poser, car Harry nous montre des signes inquiétants d'une maladie rare, une maladie très handicapante, puisqu'il s'agit de la schizophrénie. Mesdames et messieurs, Harry s'imagine régulièrement être quelqu'un d'autre. Harry se prend pour différentes personnes alors qu'il n'est que dans un seul corps. Mesdames et messieurs, c'est absolument... Laissez-moi passer, bordel de merde.
J'encule la France. Alors, porte d'Anières, est-ce qu'on va plutôt passer par là, hein? Plutôt passer par là, boulevard Pereire, mesdames et messieurs. Donc nous étions en train de parler quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que carrément que j'ai oublié de quoi je parlais. C'était tellement intéressant, les gars. Donc oui, plusieurs personnalités, plusieurs Harry dans un même Harry. Posons-nous donc les questions. Quels sont donc les signes d'une schizophrénie aiguë, Harry? Une schizophrénie, mesdames et messieurs, c'est absolument ceci. Voilà, c'est ceci. C'est se prendre pour plusieurs personnes, alors que nous ne sommes qu'une seule personne, mesdames et messieurs. Plusieurs personnalités au sein d'une seule personnalité. C'est quelqu'un qui développe des troubles, donc. Des troubles qui permettent à cette personne de péter des câbles, hein. De péter des câbles de manière assidue, hein. Là, par exemple, voilà, je prends d'autres voies. Pourquoi faire? On ne sait pas trop pourquoi je fais ça, hein. Donc là, par exemple, on se rencontre que Michel a un short, un truc de survie, un fluo, hein, absolument dégueulasse. Là, par exemple, on va commencer à fermer notre gueule, arrêter de parler comme ça, parce que c'est très agaçant. Hein, c'est très agaçant comme moi. Vous avez le seum de m'écouter comme ça, hein. Wow, Harry, là, ça va 5 minutes, Harry. Calme-toi, merde, Harry. Donc là, on rentre à la maison avec notre argent durement gagné, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer notre chiffre, parce qu'on est en chiffre, mesdames et messieurs, de maintenant à 21h45, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est parti, ce vlog commence officiellement à partir de maintenant. Déjà beaucoup de temps, hein, gaspillé, à raconter de la merde. Et donc là, ça commence, ok. C'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti. Et ouais. On va le faire, les gars, on va le faire. Regardez. Vous voyez ça là-bas, là? Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? On peut pas zoomer, bien sûr. Ça c'est quand vous achetez un téléphone à 800€, vous pouvez pas zoomer. On part sur un petit croissant, un petit pain au chocolat, les gars. 14 rue de Saint-Pétersbourg, ok? D'accord? Alors, ce qu'on va faire, donc, de manière immédiate, hein, c'est aller se prendre un petit croissant, un petit pain au chocolat et voir, mesdames et messieurs, le niveau atteint par cette boulangerie, d'accord? Je crois que vous vous rendez même pas compte, hein. Là, on est sur quelque chose d'assez fabuleux. Fabuleux. Sentez-moi ça, putain, les gars. Oh, oui, regardez. Yeah, man. Alors, on a, je récapitule, hein. On a deux croissants, un pain au chocolat. On va commencer par le croissant, les gars. Damn it! Shit! Oh, shit! Regardez le pain au chocolat, regardez. Il n'a pas de temps à perdre, ce pain au chocolat, vous voyez? Regardez le moelleux. Et je crois que vous réalisez même pas. Oh, my man! Oh! Bon, les gars, par contre, faut que je vous dise la vérité. Tout à l'heure, après le rendez-vous, là, je me suis dit, vas-y, il me restait genre 10 minutes avant de devoir me connecter, tu vois. Genre, en grattant ma pause. Genre, il me restait 3 minutes. Et là, je sors mon téléphone, je veux me connecter. Et là, je vois quoi? Mon téléphone est éteint. Mon putain de téléphone est éteint. Parce que j'ai des problèmes de batterie en ce moment. Et du coup, le temps que je le rallume, genre, il y avait déjà quelques secondes de retard, quoi. Du coup, je pense que tout le shift est annulé, là. Je pense que tout le shift est annulé parce que bien sûr, c'est des ordinateurs qui gèrent ça. Si ça dépasse de une seconde, mon pote, c'est mort. Tu vas te faire enculer. Donc, je pense que je vais aller me faire enculer pour aujourd'hui. C'est dommage, les gars, mais bon. Tant pis, j'ai envie de dire, la vie continue, les gars. Life continues.